Hello, salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous allez espionner vos concurrents afin de prendre l'avance sur eux. Alors, vous entendez partout que c'est le Q4, tout le monde va faire des ventes, etc. Mais c'est également la période où il y a le plus grand nombre de concurrents parce que tout le monde se lance. Donc le but ici, c'est d'avoir l'avantage sur vos concurrents pour pouvoir justement faire des ventes lorsque eux, ils n'arrivent pas à faire des ventes. Pour ceux qui sont nouveaux dans le dropshipping, si vous ne connaissez pas ce que c'est que le Q4, c'est tout simplement la meilleure période de l'année pour commencer le dropshipping. Pourquoi? Parce que vous avez Halloween, vous avez le Cyber Monday, vous avez le Black Friday, vous avez les fêtes de Noël, vous avez les fêtes de fin d'année. Ce sont des périodes qui s'enchaînent où les personnes achètent des cadeaux pour offrir à leurs proches. Donc voilà pourquoi, si vous avez des bonnes stratégies, si vous avez des bons produits, c'est le meilleur moment pour se lancer. Donc, je ne vais pas vous perdre le temps, je vais directement aller vous montrer cet nouvel outil que j'ai pu découvrir pour vous. Allez. Ici, il est Roland du programme e-com Family. Si tu es nouveau sur cette chaîne, généralement ici on parle de dropshipping, on parle de e-commerce. Mais si tu m'as déjà vu quelque part, merci encore une fois de plus d'être là. Merci de regarder. Merci surtout de donner la force pour tous les nouveaux. Vous allez tout simplement en dessous de cette vidéo, oui, vous vous abonnez. Parce que si vous vous abonnez, vous avez la chance d'avoir un appel gratuit avec moi et pas que. Il suffit également d'aller dans les commentaires de cette vidéo, de mentionner e-com Family et de me dire ce que vous avez retenu de cette vidéo. Vous aurez la chance de pouvoir participer à un appel que je donne généralement par semaine à une personne qui a fait tous ces éléments-là. On va sur ta boutique en Zoom, en appel privé et j'essaie de te dire ce que tu dois changer pour pouvoir décoller exactement ta boutique. Alors dans cette vidéo, comme je le disais, d'entre les jeux, je vais vous montrer un outil que j'ai découvert puissant, qui vous permet d'espionner vos concurrents, de faire ce qu'ils n'ont pas fait et de récupérer leurs clients. Naturellement, on va aller sur mon ordinateur pour découvrir l'outil. L'outil, lui, il s'appelle AliHunter, donc c'est une extension de AliExpress. Vous, si vous voulez l'installer, c'est très simple. Vous allez tout simplement vous taper AliHunter, c'est très facile. Extension Google Chrome, papa, moi, je l'ai déjà installé, ok, donc vous pouvez tout simplement cliquer ici, là. Vous allez cliquer sur lui ici. Si vous ne l'avez pas encore installé, vous aurez un bouton ici qui vous invite à l'installer. Mais moi, je l'ai déjà, vous voyez là, chez moi, c'est un autre bouton, mais moi, je l'ai déjà, je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous allez l'utiliser. Quand vous l'avez installé, généralement, il se présente comme ça. On va faire un petit tutoriel pour que je vous montre exactement comment est-ce que vous pouvez l'utiliser et comment vous pouvez tirer profit de cette fonctionnalité. Alors, une fois que vous avez installé l'extension, c'est super simple de l'utiliser. Donc, par exemple, quand je suis AliExpress, je vérifie toujours que l'extension est bien activée. Ok, vous venez vérifier là. Vous vérifiez que l'extension est activée en cliquant là pour vérifier. Ensuite, je viens par exemple ici, je tape l'épilateur par exemple. Ok. Crystal Hair Remover, c'est l'épilateur, cette pierre-ci, j'en ai déjà parlé sur l'un de mes produits, vous la connaissez déjà, donc voilà ça, là je vais cliquer sur l'un de ces produits et on va voir ce que ça donne, je clique par exemple sur celui-ci là, et une fois qu'on a cliqué, on tombe sur cette page-ci, ok, la page naturellement, lorsque vous tombez sur cette page, c'est naturellement, vous allez voir que l'extension apparaît ici en bas lorsque l'extension est activée. Vous pouvez cliquer là sur les statistiques ou un certain nombre de statistiques sur ce produit-là. On voit par exemple que actuellement en juillet 2022, il y avait 500 commandes qui sont en train de se faire là. Donc si vous l'aviez lancé entre juin et juillet, vous aurez pu avoir pas mal de levier. On va essayer de voir peut-être les 7 derniers mois. On peut voir un certain nombre d'éléments comme ça dessus, ok. On peut voir un certain nombre d'éléments juste avec ça, avec ce petit graphique-ci. Voilà que ça s'est vendu. Maintenant, il ne vend plus ça, je ne sais pas pourquoi. Mais ça peut nous permettre de tirer quelques conclusions. On a ici l'évolution des prix. À un moment, les prix ont chuté, mais les prix ont augmenté maintenant en août. On voit qu'ici, les prix ont chuté,
On ne sait pas pourquoi, sûrement parce que le produit a déjà trop de concurrence, mais c'était un produit gagnant. Lorsqu'on essaye de descendre ici, on a une idée des reviews, okay, des reviews sur le produit avec quelques images. Donc, dans le prochain élément, on peut voir, on peut cliquer sur similar pour voir des produits qui se vendent avec ce produit-là. Alors, cette fonctionnalité, ça peut vous permettre de trouver quel produit vous allez vendre en upsell avec votre produit. Lorsque vous cliquez sur similar, ça vous montre des produits qui vont généralement avec ce produit-là ou alors des produits que les gens achètent souvent avec ce produit-là. Donc, quand vous cliquez, vous allez voir là quelques produits. Là, j'ai une version gratuite, mais ici, généralement, vous voyez quelques produits qui vont avec ça. Donc, si vous prenez la version payante, naturellement, après, vous avez également la possibilité d'aller voir celui qui vend ça en cliquant sur WooSell. Ça vous permet de voir qui est en train de vendre ce produit-là actuellement. Est-ce que je peux le copier? Qu'est-ce qu'il fait que je peux également faire? Vous avez la possibilité de voir ça avec ce outil-là. Vous voyez par exemple ici que le produit coûte également 2,26$. Là, on vous montre quelques boutiques qui vendent ça. Ça vous permet de trouver également les bons fournisseurs, ceux qui ont le meilleur prix et ceux qui font la livraison rapide. Parce que si vous aviez la version complète, vous aurez beaucoup plus d'informations ici, naturellement, sur le prix, etc., etc., le nombre de ventes, les reviews. Il suffira juste de cliquer pour voir ces informations-là. Là, maintenant, vous savez déjà un peu en général comment est-ce qu'on utilise cet outil-là. Vous pouvez essayer d'aller un peu plus en profondeur sur l'outil. On va essayer d'aller voir un peu comment on peut espionner un concurrent avec ça. Maintenant, on va aller essayer de voir qui sont les concurrents qui vendent ce produit. Par exemple, si j'ai décidé de cliquer sur ESMUS-SILA, il suffit tout simplement de cliquer sur lui. Vous allez tomber sur son site internet, sur sa boutique. Et ça sera très important de voir exactement ce qu'il est en train de faire actuellement avec ce produit. Donc, on va commencer par voir Overview. Une vue d'ensemble de la boutique. Il vend sur Facebook, naturellement. Vous savez là où il est en train de vendre. Donc, si c'est un produit gagnant, vous savez que vous pouvez le battre sur TikTok facilement parce qu'il n'y apparaît pas. Ici, il utilise le thème Ecom Soli. OK. Le nom de son thème là, sur cette boutique là. Vous avez l'ensemble des produits, des meilleurs produits qu'il est en train de vendre sur sa boutique. Et généralement, vous avez ici en bas l'application qu'il utilise, les ensembles des applications qu'il utilise. Il est là sur une boutique sans beaucoup d'applications, Product Customizer, c'est ce qu'il utilise. Et après, vous avez encore quelques recommandations d'applications ici en bas. Donc, en fonction du forfait que vous avez, vous pouvez avoir encore beaucoup plus d'informations. Donc, on va aller voir sur Product. On va voir tous les produits qu'il vend sur cette boutique-ci qu'on a ouvert précédemment. Okay. Vous voyez là qu'il vend beaucoup plus la lingerie. On va aller sur Orders. Orders. On va voir le nombre de commandes qu'il a déjà eues sur sa boutique. On voit là qu'il a eu une commande ici. Si vous allez upgrade votre forfait, vous verrez encore qu'il a d'autres commandes. On peut aller dans Ads Library. OK, pour voir par exemple quelles sont les publicités qu'il est en train de lancer actuellement. Et en regardant les publicités de vos concurrents, vous avez la possibilité de les télécharger. Il y a beaucoup d'outils pour télécharger des vidéos sur Facebook, des vidéos publicitaires. Si vous ne savez pas, dites-le moi directement en commentaire. Je vais vous donner des outils que vous pouvez utiliser. Donc voilà que voilà les publicités qui sont actuellement en train de tourner sur cette page-là. Si c'était une autre page, naturellement, vous aurez encore d'autres publicités ici qui sont beaucoup que vous pouvez copier tout simplement. Donc, avec ça, on peut faire un ensemble de choses. Avec cette application-là, on peut faire beaucoup d'autres choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. OK, vous pourrez contacter le support si vous voulez. Vous pouvez aller voir un peu le trafic de la journée sur cette boutique-là si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous avez là pas mal d'informations. OK. Ali Hunter va vous analyser un peu le trafic. Partant même de ce produit-là, vous pourrez retrouver les fournisseurs. OK. Partant de ce produit-là, sur un site internet, vous pouvez utiliser encore l'application Ali Hunter pour trouver le fournisseur même sur AliExpress. Ça vous permet de gagner en temps. Donc voilà l'outil que je voulais vous présenter pour que vous puissiez prendre de l'avantage sur vos concurrents. Si vous l'installez, vous l'utilisez à fond, vous pourrez faire d'énormes chiffres parce que c'est un produit qui change tout. Donc là maintenant, on va annoncer le gagnant de l'appel gratuit comme d'habitude. Et le gagnant de l'appel dans cette vidéo, c'est tout simplement Brel Movie. Brel Movie, félicitations. Si tu regardes cette vidéo, vas-y directement sur Instagram
écris-moi, fais-moi la capture d'écran et je vais te contacter pour qu'on ait un échange sur Zoom. Si naturellement tu as pris plaisir à regarder cette vidéo, mais que tu n'as pas été sélectionné pour l'appel gratuit, c'est hyper simple. Tu vas directement en commentaire, tu me dis ce que tu as retenu de cette vidéo, tu mets le hashtag #ecomfamily et tu me signales directement sur Instagram que tu l'as fait et tu auras la chance d'être sélectionné dans la prochaine vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. C'était Roland. Peace out.